Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, de retour en salle à Escalfor. Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Pour la démonstration technique d'un exercice d'épaule, il s'agit du front press unilatéral au cadre guidé, exercice que j'ai eu la chance de découvrir et de pratiquer avec mon ami James Cordezet au Gold Gym de Venise, mais exercice également très prisé et utilisé par Dexter Jackson lors de sa préparation pour Olympia 2016, sous les yeux attentifs de son entraîneur, monsieur Charles Glass. Donc quels sont les avantages que vont nous procurer cet exercice? Ils sont nombreux, hein. Le premier avantage et non des moindres, il est intéressant pour les personnes à qui les développés classiques, prise pronation, que ce soit halter ou barre, occasionnent des douleurs, et Dieu sait que vous êtes nombreux, des douleurs au niveau de l'épaule. Douleur due souvent au maintien du coude vers l'extérieur, hein, qui fait que votre tête humérale n'est pas très copain avec votre articulation, provoquant des pincements et liés à la charge, provoque des douleurs à court et moyen terme. L'avantage avec cet exercice, comme vous avez pu le voir, c'est que la prise marteau et le maintien du coude vers l'avant, en avant du corps, va faire que votre tête humérale et votre épaule, de ce fait, seront perpétuellement en position neutre. Donc, plus de douleur, à l'instar un petit peu de ce que j'avais expliqué comme avantage pour le squeeze press halter, bonne alternative pour le développé couché classique. Deuxième avantage, qui dit unilatéral, dit intéressant pour attraper un déséquilibre musculaire, le fait de travailler chaque côté indépendamment de l'autre, va nous assurer que le côté entre guillemets déséquilibré et le côté normal seront tous les deux soumis à la même charge et à la même intensité de travail. Et enfin, je l'ai rarement abordé, mais il est important de le souligner, le fait de le travailler en unilatéral, un seul côté à la fois, vous serez plus enclin à être plus focus, à être plus concentré sur la bonne exécution technique et sur votre contraction musculaire. Donc voilà, vous avez pu voir de nombreux avantages, on va passer de suite à la démonstration technique. A tout de suite. De retour pour cette deuxième partie, je vais aborder de suite la démonstration technique. Donc dans un premier temps, je vais installer le banc perpendiculaire à la barre du cadre guidé au milieu de cette dernière. Ensuite, je vais m'installer du côté où je vais commencer à travailler. Comme vous pouvez voir, hein, la barre est à l'aplomb de mon épaule. Les pieds sont bien ancrés au sol. N'hésitez pas à prendre même appui contre le cadre guidé, hein, pour vraiment consolider et faire en sorte que vous ayez une assise qui soit très forte. Donc je gagne bien au niveau des abdominaux, pour éviter de trop cambrer durant l'exercice. La main qui va être inactive, celle qui ne va pas travailler, elle ne sera pas en reste, on va l'utiliser. Vous allez saisir le cadre guidé encore une fois pour ce souci de consolidation de votre position, mais également pour éviter que durant l'exécution de l'exercice, votre buste effectue des torsions, d'accord, se torde un petit peu. On va faire en sorte que le buste reste constamment droit, ainsi que la tête, durant l'exercice. Ça, c'est hyper important. Donc, les pieds bien ancrés au sol, je gagne bien au niveau des abdominaux, la tête est bien droite, je regarde droit devant moi, je saisis le cadre guidé, je suis fort, je vais saisir la barre. Comme vous pouvez voir, mon coude est légèrement sous la ligne d'épaule. On va tâcher, durant l'exercice, de garder un alignement segmentaire. La main devra continuellement être dans l'alignement de votre avant-bras. Et là, je vais effectuer de manière énergique ma pression vers le haut en expirant. Et je redescends. Coude légèrement sous la ligne d'épaule. J'inspire. Vous tendez complètement le bras, complètement, sauf qu'on va garder une légère flexion, un léger flex au niveau du coude, pour préserver votre articulation et pour éviter de trop engager les triceps. J'inspire. Surtout à éviter de éviter véritablement, hein. C'est pour ça que cette main qui est inactive est intéressante, évitez de vous tortiller durant l'exercice, hein. Si jamais ça arrive, généralement ça sonne la fin de votre série. Une fois que vous avez fait toutes vos répétitions d'un côté, on a juste à se tourner, refaire exactement la même chose, saisir la barre, je gagne bien au niveau des abdominaux, je décroche et on est parti. Donc voilà, super exercice où vous allez vraiment sentir votre deltoïde antérieur. Il est bon à noter que si vous n'avez pas accès à une salle ou si vous n'avez pas de cadre guidé chez vous, il est tout à fait possible de l'effectuer avec la même technique avec des haltères, soit en unilatéral. Alors l'avantage de le faire en unilatéral avec l'haltère,
c'est que contrairement au cadre guidé, où la charge elle est guidée et linéaire, l'haltère, vous allez avoir une instabilité qui va faire que vos muscles stabilisateurs seront beaucoup plus engagés que la version cadre guidé. La version cadre guidé, par contre, vous pouvez prendre plus de charge. Vous pouvez l'effectuer en unilatéral, mais également en bilatéral. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous invite, surtout les pratiquants qui ont des douleurs au niveau de l'épaule, mais qui veulent continuer à les travailler, eh ben, si vous le faites en bilatéral, faites-le en prise marteau. Je vous invite à faire cette forme, à adopter cette forme de développer, pour encore une fois, éviter de vous blesser, pour ne pas vous blesser au niveau de l'épaule, car je vous le rappelle, hein, c'est une articulation qui est très charnière. Une fois que vous êtes touché à l'épaule, c'est très difficile et il y a plein d'exercices que vous ne pouvez plus faire. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr hein, si vous voulez bénéficier de notre coaching distance, que ce soit en termes de plan d'entraînement ou de plan alimentaire personnalisé. Je tiens également à remercier mon partenaire Protein Center pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site de compléments en ligne. Ils ont un choix tout bonnement incroyable, à des prix vraiment canon. Et à ça, ils ajoutent un code de moins 10% sur chacune de vos commandes qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. D'ici là, je vous souhaite tous de très bons entraînements, de très bons front press unilatéral au cadre guidé. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, ciao, salut.